Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie d'Octar Fan pour un nouvel épisode de Satisfactory. Nous sommes toujours accompagnés de Farina. Bonsoir Farina. Bonsoir Clarfran. Alors, nous faisions des usines à Bonchard quand nous avions découvert subitement le trouillou dans le mur. On peut raccorder des tuyaux. Ouais, c'est des noms extrêmement techniques, hein. Ouais. Ah, le trouillou dans le mur, technique, comme on sait. Ah, les tuyaux aussi. Hein. Voilà. Yes. Excellent. Hop là. Alors. C'est quoi qui nous manquait? Je crois qu'il manquait des tiges. Le jalon. Excellent. Franchement, excellent. Je suis très satisfait de mon travail. Franchement, c'est impressionnant. C'est le principal. C'est le principal d'être satisfait de son travail de base. Je peux pas le poser. Il y a de modulaire, c'est là-bas. Oh, il est record. Ça ne me dérange pas que j'avance dans le... Tu avances dans le... Dans le jaloun ? Tu ne voudras pas si j'avance... Dans le jalon... Enfin, que je passe le prochain jalon. Ah, absolument aucun. Ah, faut avancer dans le jeu vidéo. Tasse de café. Excellent. Excellent, excellent. Donc là, j'ai ma pompe. Idéalement, il faudrait que je design tout de suite. Je me sens tracé. Là, tout de suite comme ça, je crois que vous laguez un peu. Ah, c'est probable. Même perdu. Ah bon? Ah non, ça. Je suis en train de méditer avec l'espace et le temps. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Milestone exchange concluded. Fix it freighter re-entry complete. Change des objectifs terminés, cargo. Hein, j'ai pas vu. J'ai pas eu le temps de tout lire. Mais ça devait être passionnant. Incroyable. Les reflets lumineux, c'est sympa 5 secondes, mais... Très bien. Faire de ce travail là. Personne n'a rien vu, on dirait. Ah, je suis toujours un poil décalé. Ah, je penche sur le côté, moi. Je suis le genre de mec, je penche sur le côté. Ok, pourquoi pas. Après, j'ai envie de dire ça marche. Hein. Ah, si ah. Ça marche. Ah. Alors, alors on est pas raccordé. Ah oui, on est sûrement pas raccordé d'ailleurs. Oui, oui, évidemment. Évidemment. Mais tu me l'aurais pas dit quoi. Tu me l'aurais pas dit qu'on était pas raccordé. En plus je dois vous dire des choses. Oh mais je pensais un peu sur ton professionnalisme quoi. Bon je vais me débrouiller seul hein. Bon, ça pompe pas, ça pompait. Je serais peut-être pas obligé de mettre une pompe de canalisation, mais dans le doute moi je la mets. Ah bah toute l'usine à 4 modulaires que j'avais lancée, bien sûr ne fonctionnait pas.
car j'avais oublié de lancer la mine. C'est quand même con. C'est très idiot ça. Alors, je ne l'ai pas dit. Sachez que ça m'a pas empêché d'y penser. Dommage. Ah, oh, Ah bah, quoi? Que plaît-il? Comment ça manque d'électricité? Comment ça pique trop? Je pense qu'il y a erreur. Je pense que je vais devoir aller couper une usine. Comment c'est possible que tu pompes autant de jus? Vu que j'ai branché les machines à charbon, il s'est déjà mis à pomper du jus comme jamais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi autant d'hostilité envers le projet? Je vous ai dit tout à l'heure que je voulais plus entendre de problème à ce niveau-là. Oh, ah, très bien, mais laissez-moi terminer alors. Parce qu'à un moment donné, c'est parce que j'ai branché 4 machines que j'ai terminé. Voilà. C'est pas qu'on vous aime pas, mais enfin quand même. Comment je vais me les placer? J'aurais aimé me les placer ici. Faire mon cut ici. Ah ouais, mais au milieu de la pièce, c'est quand même vilain de faire son cut au milieu de la pièce. C'est quand même vulgaire un peu, hein. Je pense. En plus, il me faut un double séparateur direct. Double. Je fais un séparateur qui ouvre sur deux séparateurs. C'est brutal si je fais ça. Brancher une machine comme ça, j'arrêterai de te faire planter. Ça peut couper à n'importe quel moment, parce que si moi je travaille pour l'instant. Hein. Ah, mais c'est pour ça. Vous deviez couper. Vous deviez couper pas autant de l'équipe. Par contre, vu que de temps en temps je vous entends liker, YouTube aussi, ou non? Non, je pense pas, non. Ça va alors. Tout roule. Ah ouais, et alors il faudrait que je fasse. Ouais, on se remet un pylône. On va se remettre un pylône. Et vous m'ennuyez, vous? Allez voir ailleurs. C'était intéressant ça. Intéressant. Et donc on se remet un séparateur juste là en face de lui. Mais du séparateur, hein. Je suis pas très fan de bourrer les séparateurs. Ça a l'air vulgaire ça. C'est bien. Alors est-ce que c'est propre ou est-ce que c'est vulgaire? C'est un peu vulgaire quand même, hein. On ne peut pas accepter cela. On aurait bien voulu, hein, mais on va pas pouvoir accepter cette déformation. Non, c'est pas aligné du tout dessus. Pas du tout aligné dessus. C'est passé au niveau de quel banc? C'est sur la bande. Okay. Donc c'est sur la bande. C'est genre. J'en ai branché que 3 là. Ça monte pas. On a du reflux. Ouais. Aucune idée. Ah, ça se remplit très très lentement actuellement. C'est pas joli ça. Je vais donc temporairement couper deux machines. Le temps que ça se remplisse.
vous faites le plein. On va voir si, comment travaille la pompe. Je sors par là. Avec cette tasse à café, avec ce café qui colle au fond de la tasse, c'est impressionnant. Nouveau café, nouvelle technologie. Ah, il plie pas beaucoup mal. Wow, je crois que j'ai un bug hein. Ah, j'ai un joli bug. Très intéressant. Un joli quoi? Un bug, voyez-vous. Ah, un bug. Mais bon monsieur, j'ai un bug hein. Un bug de type je vais faire une déco, je vais faire une reco hein. Ah ah. Voilà. En fait, là, les machines actuellement, elles sont à 99,99%. Et je peux mettre les barres à fond, quoi. C'est très, très rigolo. C'est très intéressant. C'est oula. Vraiment très, très intéressant. Oula. Oula, oula. Après, j'ai peut-être des choses qui font bugger le tout. Ouais, à la limite fermer Steam quoi. Ouais, ah, fermer Steam là. Ouais, il y a de l'herbe ici. La... Ah non, c'est de la fausse herbe, ok, c'est un peu graphique. Tout est bugué encore. Intéressant. Ah bon? C'est comme ça hein. Ah oui! Ah ouais, on est bien bugué là. Là on est quand même très bien bugué. Ah ouais, ils ont quand même pas eu le culot de me remettre les armes, enfin c'est pas loin quoi. C'est quand même ah pas bon, loin. Ah oui on est oui, ah on est de type ils ont remis l'herbe hein. L'herbe est là hein. Ah, je peux vous assurer que c'est déforesté de bas. Ça je vous crois monsieur. C'est marrant que j'ai aussi peu de débit. La question c'est est-ce que avec une deuxième pompe je tirerais pas plus. Enfin une pas une pompe mais une aussi une pompe de canalisation. Ah, je tire tout ce que je peux tirer. Toi t'es vide tout le temps, pourquoi t'es vide? Il est vide aussi. Est-ce que moi je les vois vite, mais enfin les valeurs ça a l'air d'être ça. Le problème c'est est-ce que les valeurs je les vois bien. Ouais super, je vois rien. Il faut que tu viennes checker les choses là. Ouais j'ai pas les infos en fait. Le problème c'est que j'ai pas les infos. Donc à l'occasion il faudra que tu viennes check. T'as explosé les plafonds de consommation. Profites-en pour venir checker là parce que du coup je vois pas les valeurs sont pas les bonnes, je vois pas les valeurs, un coup c'est 0, un coup c'est 100, un coup c'est pas tout à fait plein. C'est pas trop. Ou alors c'est parce que la pompe met du temps à se charger, le temps qu'elle remplisse les citernes. Officiellement c'est plein quoi hein. À peu près hein. Vous devez brancher les machines là. Ah oui mais j'aurais pas dû brancher par le bout. C'est ça l'erreur. L'erreur est là. L'erreur est complètement là. J'aurais dû le brancher sur genre lui à la limite. Et pas par là. Vous devez encore comme dans le bois. Vérifie juste si les valeurs des canalisations sont bonnes, enfin celle de la pompe en bas. De la pompe en bas sont bonnes. Comment ça? Ouais, il faudrait que je passe mes canalisations. On va dire que c'est ça dont vous parlez. Bah au niveau des pompes à mazout quoi. Au niveau des mazouteuses non. On va appeler ça une mazouteuse. Parce que tu vois de quoi je parle quand je parle d'une mazouteuse? Ça paraît clair, non? Ah non. Non, pas du tout.
C'est bizarre. Ça me paraissait extrêmement clair. Sinon, les tuyaux à eau sont remplis. D'accord. Et les pompes, elles ont un peu d'eau dedans ou pas? Ou elles sont en flux tendu là? Pas. Ah, elles sont en flux tendu. C'est ça, hein, c'est du flux tendu. Ouais. Tout ce qu'elles chopent, elles leur envoient directement. Avec ça, hein, que je te dise. Par contre, ce gros tuyau, il est peut-être optime. Alors, qu'est-ce qu'il est au milieu, hein? Il va falloir que je trouve une alternative d'aménagement pour me débarrasser de cela, parce que là, il n'y a pas moyen de faire autrement que flux tendu. Bah, j'ai pas l'impression. Ah, c'est ça. Ça aurait pu être intéressant. 4 sur 2. C'est de la merde. Pardon, Platine. Ici. Vous me dites, c'est parce que vous en mettez 4 sur une. Ah bah oui. On est sur de l'opti, hein. Ouais. J'en vais à pompe en point. On va partir sur une pompe en point. On part sur une pompe en point. Parce que là, c'est généreux. Alors, est-ce qu'on travaille sur l'esthétisme aussi ici, hein? Encore? Ah, toujours, monsieur. Toujours. L'esthétisme, c'est un art de vivre en fait, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est vraiment important de comprendre cela, la richesse de l'esthétisme, bien sûr. Je n'ai clairement pas cette notion. Vous n'avez pas cette notion? Je suis bien embêté pour vous, hein. C'est vraiment. Certains disent que c'est le propre du français. Ah, dommage, je suis pas français. Mais vous êtes francophone, vous pourriez faire un effort, monsieur. Insérer du biocarburant dedans. Ouais, ma face, du biocarburant. Ouais, on dit que le charbon c'est du biocarburant, hein. Ah, c'était avant de la... Avant c'était organique, hein. Exactement. Voilà. Vous avez eu votre réponse, avant c'était organique. Alors, sauf tout ce temps, est-ce qu'il n'y aura pas de petit cadre modulaire? Là, du coup, on fait des 30 par mois. Non, pas du tout. Ça va bouger un peu. Électrique actuellement plutôt propre. Plutôt propre, on a un peu short en charbon sur celle-ci, mais ça va venir. Faut se dire que ça va venir. C'est pas trop mal. Parfait, j'ai pas. Ça va se faire, ça va tenir. Maintenant, il faut brancher encore plus de machines. Après, le temps d'aligner, je pourrais peut-être bouger celle-là plus par là. On verra. Donc là, idéalement, si vous avez du MK2, monsieur, la plaque de fer renforcée MK2, là, ça serait bien de transformer tout le réseau de charbon en MK2. Parce que notre limite, là, c'est ça actuellement. On risque un plantage. Si jamais vous allez trop, monsieur, dans la grille électrique, on risque un plantage. Parce que du coup, on n'apporte pas le charbon assez vite. Je vais aller voir au niveau du charbon. Donc il faut y songer, voilà, on n'amène pas le matériel assez vite, la matière première cause problématique, quoi. Là
Là j'en ai 223 quand même. Vous pouvez commencer à transformer tout le réseau. Ou alors les amener, je transformerai tout le réseau à l'occasion. À votre guise. Je vais vous les amener. Je vais vous les amener comme ça YouTube pour avoir un. Les amener à me prendre les cadres modulaires après, essayer de finir le jalon du transport motorisé et hop, ne servira jamais à rien. Cadre modulaire ou transport motorisé? Non, transport motorisé. Pas sauf si vous comptez l'utiliser. Je sais même pas ce qu'on a dedans. Ah, le petit camion aussi, petit tracteur, c'est ça? Ouais, c'est ça le camion. Vous voulez peut-être des tiges, monsieur, parce que j'ai un peu de tiges en arabe et je vois que vous voulez compléter un jalon. Voici un peu de tiges, si vous voulez. Ah bon, vraiment, je vais les donner. Une tige ici. Et vous pouvez terminer cette partie. Très bien, donc on a de la plaque de fer renforcée. Ok, on va y aller, on va pousser sur ce réseau-là. De cette usine, ça commence à devenir difficile à y circuler et encore plus. Comme quoi, j'avais pas prévu si large que ça en bétonnage. Hein. J'aurais dû bétonner plus. Hein. J'aurais dû m'écouter. Hein. Et bétonner à l'infini. Alors, cette limace n'existe pas. Je suis presque sûr que ce que vous dites n'est pas insensé. Bétonner plus. Bétonner plus pour bétonner plus. Bizarrement, je ne vois que 8 fumées noires et on m'en avait promis 16. Après, tout à fait. Non, mais c'est en cours, hein, ça travaille, monsieur. Oh, vous avez déjà un problème au charbon, on est d'accord. Plaît-il ? J'ai bien entendu, vous aviez déjà un problème de charbon. Comment cela ? Veuillez préciser vos intentions là, monsieur, vous êtes pas bien clair là. Vous êtes en train de me dire que j'ai un problème de charbon? C'est vous qui m'avez dit ça, que apparemment vous auriez un peu du mal au niveau charbon et que ça risquerait de planter. Ah, mais ça c'est le risque, monsieur, tant que nous n'avons pas du MK3. Ah, voilà. Oui, monsieur. Voilà. Parce qu'en fait, le problème c'est que si tu veux, je consomme au max de ce qui m'est possible de consommer. Voilà. D'accord. Et le seul moyen de fit tout ça plus vite, c'est d'établir plus gros, plus vite, plus fort, plus. Non, il y a des minages de charbon ici. Oui, non, mais c'est pas urgent. Là, normalement, on est censé tenir avec les 16, hein, le temps que ça arrive. Hein. Parce que j'ai pas encore branché les 16, là j'en ai branché 8. Hein. Caterium. Oh, bah c'est... Ah, c'est déjà du MK2? Ah non, ok, d'accord. Tac. C'est peut-être pas du MK2. MK2. On se nourrit en charbon là-dedans ou jamais? Ah, un peu. Ah, c'est ça, hein. Mince. Oh non, c'est chiant. Aïe. Ah oui, c'est très chiant, ouais. Ouais, c'est très chiant. On voit ça. Vous avez encore des bugs? Non, tout simplement, j'ai déposé et repris tout le charbon. On a quand même... On stack du charbon. Très bien, dans les bien. Dépôts, donc on est... ça veut dire qu'on est large, hein, y a pas de soucis sur l'alimentation, en tout cas en charbon. En eau, c'est une autre histoire. J'ai plus assez de plaques de fer, hein. C'est bien dommage. Renforcer. Bah, il m'en reste plus que 3. Des plaques de fer renforcées ou des plaques de fer... Plaques de fer renforcées. Ah oui. Alors, plaques de fer, par contre, j'ai du rab. Hein.
du coup. Parce que je suis en train de récupérer toutes celles du chemin qui ont été faites en. Que je transforme en forcé du coup. Par contre, ça, moi, ça m'oppresse. Hein. Donc, hop. Ici. On va peut-être pas se mettre la sortie ici, hein. C'est quand même vulgaire. Hein. Alors qu'on a un joli chemin dégagé par là, voilà. Hop, la sortie sera ici. Très bien, très joli. Renforcer, ça va être compliqué. Va falloir y songer, hein, puisque c'est pas tout de faire planter mon réseau électrique. Enfin, si on peut pas avoir de matière première, je vois pas bien à quoi vous servez, monsieur. Voilà. Je produis de tout, des plaques, des renforcées, des piliers, du béton, des choses inutiles, je n'en doute point. Oh, c'est déjà réchauffé. Donc c'est déjà réchauffé direct. Ah, tu cherches la merde. Je vois des convoyeurs V2 ici. Ah, convoyeur V1. Mince. Ah ouais. Ah, c'est là que le produit est. Ah, il veut pas me le coller en face? T'es chiant. C'est méga chiant. Si je mets un plus petit, peut-être. Je mets un plus petit, j'aurais peut-être pas le bug. Ouais. Pas le bug. Voilà. Après, je peux convenir que c'est un peu vulgaire. Que c'est un peu. Voilà, on pourrait plus faire un truc comme ça là. Une petite esplanade, voilà, intimiste un peu. Et... Voilà, un peu officieuse, voilà, avec des accès quoi, de chaque côté. Je pense que voilà. Ou alors des gros accès. Ah, ou alors des encore plus gros accès. Ah, parfait, c'est une excellente idée. Non, mais ça c'est du. Ok, pas plus d'accès que ça. Et là, on se dit une rampe. Ah oui, mais alors ici c'est non plus comme ça. Non mais allô. Ah voilà. Je crois que je suis en train de bugger là. Aïe. Vous me buguez? Oula. Je vous dis plus tout à l'heure. Milestone reached. Long range transportation. Madame, il a dit des choses très probablement intéressantes. Hein. Non, je plaisante. Organisation, ils ont mis des barrières dans les organisations, c'est vraiment. On a c'est fini vraiment un le choix d'organisation. T'as fini le palier 3? Comment ça? T'as déjà fini le palier 3? Ouais, très bien. Incroyable! Est-ce qu'on a pas les MK3 du coup? Mais si, on peut débloquer des MK3! Ah bah go former du MK3 hein! Mais avant de former du MK3, je vais peut-être finir la production d'énergie non? De toute façon, on a les hypertubes. Ouais, ça c'est on inutile. A le Coin Xenos, c'est des inventaires de slots. Ah, ça c'est pas mal ça, le Coin Xenos. C'est toujours sympatoche. Et on a la foreuse V2. Ah etc. Alors, ça, alors, pour augmenter notre capacité en apport de charbon, je dis que ça. La question c'est est-ce que plutôt d'abord foreuse V2 ou plutôt d'abord les V3? Celui qui. Attends, faut déjà que tu débloques l'acier, c'est dans lequel que tu débloques l'acier. On l'a déjà débloqué, on l'a débloqué. On l'a déjà débloqué. Soyez que tu veux dans l'ordre que tu veux en vrai. Il fait me semble qu'on a déjà. Oui, on a déjà débloqué l'acier. Bon bah. Je vais débloquer celui-là. Celui de moins cher. J'ai déjà y taper mes ressources. Même si je trouve que tu débloques beaucoup plus vite que je n'avance. On va pas se mentir, je me sens un peu largué là. Vous plaignez encore quoi? Non mais je non, c'est un simple constat de votre efficacité. Vous voyez, vous en sortir agréablement. Ça, vous avez de la chance. Agréablement, voilà, décidé. Surpris. Pas surpris aussi. Donc, ah. 8. Ouf. Ça, ça va faire mal. Il manque un peu de plaques en acier renforcé hein, ici. Hein. Parce qu'en fait, du coup, j'ai consommé mes plaques en acier renforcé pour faire avancer le chemin bilique, hein, comme on dit dans le milieu. Mais
pour renforcer un tapis. Mais alors du coup j'ai plus de quoi faire mes centrales. Ce qui est embêtant. Ça veut dire qu'on veut... Ça veut dire qu'il m'en manque au moins 160. Et ça c'est sans terminer le circuit. Et ça c'est en faisant des MK1. Je ne mets pas de MK2, ça ne fonctionnera pas. Et la production de vis de plaques renforcées est donc réduite. Je vais faire en sorte que la production de plaques renforcées. C'est presque dommage qu'on ne peut pas poser nos plans en fantôme. C'est-à-dire, on pose les éléments, mais vu qu'on n'a pas les ressources, on finit pas de les transformer. Mais on prépose pour voir genre les emplacements des choses, etc. Oh monsieur, plan trop incliné alors que juste avant il y avait un tapis. Pardon ? Ce serait pas du foutage de gueule, ça me fout. Plaît-il ? De quoi parlez-vous ? Eh bien, j'ai un tapis qui ne veut plus se poser car avant, alors qu'avant il voulait bien se poser. Simplement. Ouais, un bug un peu récurrent, je trouve. On va remettre ça sur la cause de la bêta, mais. Milestone exchange concluded. La bêta a bon dos là, je trouve. Ah, la bêta a très bon dos là, hein, parce que je suis très gentil parce que j'aime bien le jeu, mais là. C'est peut-être votre PC, ça aussi, monsieur. Qui fait que le plan est trop incliné ? Ah, c'est bien possible, hein. Votre PC est trop incliné. Ça va être ça. Bon, bah, je pose des cloisons, j'ai que ça à faire. Je gaspille du béton, c'est parti. Ah, là, ça fonctionne, là, alors que j'ai fait un tournant plus loin. J'accepte. Bon, je disais donc, il faut de l'acier pour des toyaux. Mais quelle mine d'acier je vais exploiter pour pouvoir faire des toyaux ? Je fais pas une fonderie inutile là-dedans. C'est quoi ? Fer pur. Toi, je t'attrape du grenin. Si on verra si on... Il est déjà par 4. Hein. Ouais. Pardon. D'accord. Ok. Bien, la science avance. Ouais, de mon côté aussi. Hein. Mais elle aimerait bien avancer un peu plus vite parfois. Par contre. Ah bon ? Ah oui, c'est bien compliqué. Ah si, il y a à proposer le MK, c'est pour ça. Ok. J'arrive. Je risque de déborder. C'est ça, hein. Ah, on va pas. Encore bricoler un truc ou deux. Notez mon affection pour les pilotes, hein, quand même. Notez mon affection pour les pilotes. Alors, non. Oui.
pense que la seule chose qu'on retiendra, c'est que c'était sublime. Sublime ? Ouais, je pense que vraiment, j'aurais disparu de ce monde, ce qui restera de moi, c'est sublime. Ah, ah oui, de vous, carrément, je me souviens plus de ce que vous avez fait. Carrément, hein. Carrément. En toute humilité, bien sûr, je tiens à préciser quand même. Les gens pourraient penser que je suis arrogant ou prétentieux, mais... Voilà, c'est parfait. Hein. Ah, peut-être qu'on retiendra aussi la perfection. Peut-être aussi, hein. C'est pas improbable. Qualité, je pense. Ah là là. Juste à côté des plaques de fer. Là, je suis en train de réfléchir, mais oh, je sais pas. J'ai réussi du truc à la suite. Ah, la torsion est violente quand même ici. Hein. Ah non, la torsion est violente. Non, il faut admettre que là c'était quand même très très violent. La torsion du tapis n'est pas acceptable. On recommence. Il faut que le deuxième pied par dessus. Ces tapis sont pas très. Faut pas brutaliser l'objet de notre travail quand même, monsieur. Voilà, là c'est bien. Là, là la France est d'accord. Si la France est d'accord, on est d'accord finalement. Bon, les belles couleurs que j'ai mis sur. Comment est votre couleur, monsieur? Rose et vert, les deux fluos. Quelle beauté. Intéressant. Ça, c'est bien. Ah oui, c'est très bien. Qu'est-il? Vous mourrez déjà? Quittez-vous déjà ce monde? Bon, il est possible d'avoir 160 plaques de fer renforcé ou. Ok, on continue à travailler sans. J'ai bien compris. J'ai pas le droit de poser mes usines. Je vais être obligé d'estimer la portée de mes tuyaux. Super. Super, alors ça mange combien de plaques hein? Parce que là, on va calculer en plaques. Hein. Ou est-ce qu'on a choix? Non. Ah, j'ai déjà 95. 4, 5, 6. On est sur un 6 plaques. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Globalement, faut que je tire un tuyau ici. Voire au milieu comme un sourd. Mais j'ai peur que ce soit un poil décalé. Donc on va un poil décalé. N'oublions pas qu'il faut que j'y mette en plus un réservoir. Il faut que je lui adjoigne un réservoir. J'aurais même dû prendre plus d'espace à la limite. Parce qu'il faut que j'adjoigne des réservoirs. Donc complètement qu'en fait je déplace tout ça. Nous verrons bien. Pour l'instant, étirons du sol. Là c'est bien, là c'est bien. Là c'est bien, là on essaie de se couler un petit réservoir ici. Organisation, parce qu'on n'a pas de gros encore. Ah j'ai plus de cadres modulaires. Figurez-vous monsieur, il me faudrait également 10 cadres modulaires et toujours des 160 plaques. En acier renforcé bien sûr. Des cadres modulaires. Je vous ai pas entendu mais je vous conseille de vous dépêcher avant que je décide de faire tomber la grille électrique. Hein. Bon, j'arrive. Il y a besoin de plaques, je m'entends. Un certain nombre, 160. Mais tu peux m'amener tout ce que t'as. Puisque ça me permettra de terminer un autre chantier si jamais tu veux mettre trop.
160, c'est jouable. Pas encore les pieds dans l'eau là. Ah non, c'est pas jouable. Ah, je peux voir mieux. Il manque des murs moi ici, ouais. Complètement envie d'une plateforme qui vient là comme ça. Normal que ça vole. Est-ce qu'il vole? Ah, ici. J'ai. Pourquoi vous voulez parler, monsieur? Ah, j'ai coupé. Ça, ça, ça vole. Ça, ça vole pas là. Oui, non, mais c'est une illusion d'optique. Vous savez, les illusions d'optique, ça fait pour me faire mal aux yeux. Oui. Ah, tenez. Ça... Ah, excellent! Il a même pensé à me ramener du béton. Ça, c'est beau. Sans que j'ai à réclamer. Et ça. Superbe. Merci, par contre c'était 10, pas 11. Mais bon, si vous dites que ça arrête de voler, vous me dites que je vous coupe tout de suite le courant. Ça pose aucun problème. Non, non, non. Non, ça va, c'est joli du coup. On dit que c'est assez esthétique, on garde. C'est agréable. On garde l'idée hein, du coup. Hein. Alors. Ils appellent ça une porte. Une porte en effet. C'est bien vu la bague. Touk. Bien sûr que. Bien sûr. Mais après, faut des plaques pour ouais, finir en tant qu'on lit. Toc. Je dis qu'en plus en plus, il faudrait que j'en crée une deuxième. Mais. Pas tout ça, mais. Allons-y. A... Mettons-nous une couille par là. Une couille. Ça, c'est intéressant. Alors, ouais, alors c'est les tuyales. T'as d'autres combien, toi? 30. T'as d'autres combien, toi? 35. C'est pas beau, hein. C'est pas beau, ça. C'est pas beau. Ici, y a pas besoin. Ouais, pas mal du tuyal. Alors, oh, il manque du béton maintenant. Joli. Certains disent même impressionnant. Alors, alignons donc ces monstres d'acier. Wow, 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 tu les alignes sur quoi là encore? Oh là là, c'est pas possible. En faire ce truc. On démarre là, c'est un espace de vie. Pourquoi pas? Oh, on fait mourir. Aligné sur quoi? Tu me dis c'est aligné, mais on sait pas sur quoi. Formidable. Formidable. Je jure, hein, c'est impressionnant. Ah, du coup, ça aurait été un peu plus là. On va le récupérer parce que ça, vraiment, ça peut me faire gagner quelques centimètres de vie. Impressionnant. C'est un peu taquin. Oh, pas super canalisation, je veux un pipe and wall. Pipe and wall qui est plus bas. S'il vous plaît. Ce sera ici. Formidable. Raccordons de la pompe. Ah, je peux vous affirmer que je vais vous ramener un peu de béton. Excellent ça. Je me dis que vous en avez très certainement besoin là. Toujours, c'est le bienvenu. Parce que finalement le dépôt est un peu petit. Hein. Je sais pas que les murs sont étroits. C'est compliqué, hein, mais bon, on fait avec la place. Hein. Bon, ça nous rappelle les appartements parisiens. Hein. Quelque part, ça a son charme. Quoi.
très cher pour pas grand chose. C'est exactement. Ça a complètement ce charme là. Bon bah il faut que j'attende que le tuyal se fasse. Du beau latin, toyum. C'est ça. Je veux plus rien dire. Top. T'es quoi? Tenez. Ah, c'est fortement agréable à vous, monsieur. Pensez aux générations futures de mille créatures infernales qui vont mourir sous ce béton. Vas-y, malheureux. Faites-vous plaisir. Ces 400 de béton sont grandement le meilleur. Ah. L'est-il ? Ce monde meilleur, c'est ça ? Ah, il y en a une machine qui ne reçoit plus assez. Deux machines. Ou plus assez de charbon. Pourquoi je ne peux pas. Ah oui, ici je peux pas. Ah oui, c'est le sacré yo-yo, hein. Bah ouais, parce que bah MK1, MK2 quoi. Alors qu'il nous faudrait du MK3. Au moins. Donc on va patienter un petit peu en mode coupé. Le temps que le charbon s'achemine tranquillement dans les machines. Ah, j'ai plus de quoi faire des canalisations. Bah on n'avancera pas plus vite, hein. Faire de canalisation, monsieur. Je vous amène ça. L'hôtel désagrément. Je suis peut-être allé un peu loin, moi, avec cette histoire. Parce qu'on admet qu'on est allé loin. Eh, le garde des Mondman, il est en train de se barrer, là. Ce qui me profondément. On pourrait revenir à cette hauteur-là, à la limite, ouais. Oh, pas besoin de rester non plus très très haut hein, dans l'histoire. Hein. Téléporté, ah, intéressant ça. Ouais, il faut que je vous amène de ça. Ah, on aurait pu aussi s'amuser et partir sur du support mural après tout. Ah ouais, ça aurait été rigolo. Ouais, mais enfin, support mural, c'est mignon, c'est gentil, c'est stylé, mais vu qu'il faut que je redivise encore et encore et encore ce charbon, là il faudrait même que je fasse une vanne de charbon en fait qui vient jusqu'au milieu pour le diviser en deux. Si on veut être optimal, pour qu'il y en ait un qui redistribue sur 4 et un autre qui redistribue sur 4. Ouais, c'est énorme. Ça serait un peu énorme. Mais est-ce que c'est pas un peu ce qu'on veut faire finalement? Est-ce qu'on n'est pas là pour quelque part la conquête des États-Unis de l'Amérique et de l'énormité quoi? Est-ce qu'on bosse pas un peu pour McDo quoi? Vous avez 2 heures. C'est toi. Alors, si vous avez pas le temps, vous donnez votre réponse avant quoi. Tenez. C'est vraiment très bien. Ça. Et je crois qu'on est bon. Tu m'en cures. Ah, excellent. On peut commencer à brancher la machine 2. On va faire des tuyaux. Exactement. Ou sinon. Ah oui. Alors sinon on fait des tuyaux. Voilà, à la limite on pourrait en économiser un comme ça. Et ce serait extrêmement vilain. Oh, je vous ai donné beaucoup de tuyaux quand même. On peut essayer de faire quelque chose d'esthétique. Hein. Vous voyez finalement, hein, l'esthétisme. Hein. On s'y habitue. Hein. Au début on se dit oh bon, à quoi bon? À la fin on se dit c'est quand même mieux comme ça. Non. Bon, pas un petit peu. Ouais. Bon bah, j'ai gratté encore un quart d'heure, il paraît. Formidable. La France est ravie. Formidable, du coup. La France s'emballe. Les gens vont avoir un épisode 1h45, ils adorent.
Quasiment autant que dur. Et je pourrais pas l'avoir droit parce que j'ai pas bien mis ma croix, ouais. Voilà, par contre, non, ça, non, non, ça, c'est non, ça, par contre. Faut que je le décale encore, d'accord. Ok, 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 ok. Ok, faut que je vienne un poil ou plus loin. Très bien. Eh bien, nous irons un poil ou plus loin. Donc, ici, c'est ça. Oh, c'est ça. Ah, bah, par contre, en fait, ça sera jamais en face, c'est ça. Ouais, oh, non, ça va, c'est en face. En vrai, c'est en face. Ouais, donc on a dit tout de même, on fait quelque chose de propre, voilà. On fait quelque chose d'esthétique avant tout. Bon, mais c'est parti. Alors, quand vous ramenez des tapis... Impossible d'attacher, c'est trop courbe. Ah. Je peux le mettre que là. Ah ouais, non mais ça fait un biais. Bon, ça va, ça fait moins biais quand même. Du coup, c'est acceptable et c'est accepté. Donc nous, là, on travaille là-dessus. On travaille sur ce projet-là, de se dire qu'il va falloir rediviser le charbon en deux. Très bien. Eh bien, redivisons le charbon en deux. Je propose de dire qu'il y a une ligne qui continue à aller tout droit. Ça aurait été sympa que ça serve quand même. Que ça fasse moins de en biais. Ah, tenez. On est sur quoi? Ah, on est sur de la plaque. Ça, on... excellent. Ceci dit, je pense que certaines des machines sont chargées. On peut peut-être mettre un coup de collier. Qui voyait? Très bien. C'est un peu pire. En fait, ce qui m'embête, c'est de te demander des MK2 alors qu'on va avoir du MK3 là. C'est ça, hein? Pas sur de la plaque en acier là, non? Ouais, on est pas encore tout de suite au MK3. Ouais, c'est ça. Un peu dommage. J'ai presque envie de remonter avec tout cet acier renforcé là. Non, bon, vas-y, on va terminer. On va terminer le travail, le projet de travail. Tac 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 tac. Le séparateur. Ouais, on va se le mettre dessus. Hein. Voilà. J'ai mis la bonne grosse boulette dessus. C'est bon, ça rentre dedans, c'est parfait. Ah oui, par contre. Ah, il y a peut-être plein de mauvais shit là. Ah bon? Ah ouais, il y a peut-être plein de mauvais shit. On recommence. L'esthétisme général et évidemment ça veut dire qu'on rajoute du pilon juste ici. Alors c'est juste ici ou c'est juste Zola? Ah non, c'est Emile, hein, c'est Emile Zola, hein. Je vais mettre là quoi. D'accord. Yes, c'est super, c'est décalé, ça fait plaisir. Juste là.
impressionnant. Oh, toi, t'es trop avancé. Bien sûr, forcément, il allait manquer un truc qui est de nouveau à l'autre bout de la terre. Ce qui me paraît évident. C'est comme si t'avais commencé sur une barre de pétrole direct. Je ne comprends pas. Voilà. Soyons réalistes un instant. Soit tu veux jouer au jeu, soit tu veux pas jouer au jeu et tu joues à autre chose. Quoi. Tu joues à League of Legends. Oh. Un séparateur. Tu sais juste pour jouer avec des potes. On peut avoir des amis sur League of Legends, c'est très intéressant ça. Je pense pas, hein. Je pense pas que ce soit possible en fait. Ouais, tu peux te bercer d'illusions et vivre dans le mensonge après tout. Et les filles, hein. Faire du troll de personnes ensemble. Troll de personnes, intéressant. Ouais. Intéressant. Il me manquera des plaques de fer. Non, ouais. Plaques de fer basiques ou. Non, pas ça. La conteneur renforcée. Ouais, plaque de fer renforcée, j'essaie de vous les garder. Parce que plaque de fer de base, si tu veux, j'en ai. Non. Plus une attachée, une centaine. Pardon. J'essaie juste de les garder pour vous là actuellement. Je veux savoir de l'électricité. Quoi ? Alors là. Je veux pas savoir. C'est ça qui me fait bugger. Allez, allez. Juste pour vous. Mais vraiment pour vous, je vais faire ça ici. Voilà. C'est vraiment juste. Pourquoi c'était bugué. Ah, il y a une plaque buggée. C'était marrant ça. Enfin, c'était marrant. Non, pas vraiment. Je suis obligé de tout recommencer. Ça fait grandement pas plaisir. Je suis sûr qu'il me manque encore de la plaque renforcée. Pas encore. Je ne garantis rien. Oula. Je pourrais l'utiliser un peu pour moi. Ah. Mais. Mais quel jeu dissident. Ah bon. Comme dissident. Carrément. Il a dissident. Alors c'est parti, MK2. Malheureusement, je vais encore devoir lancer deux machines. Met-il ? Non, ça va. Ouais, il tient. Pour le plein air. On reste déjà plus que 60 plaques, hein. J'arrive avec 40. 40. Et 40, le mec, il a dit. Ah, l'innocence de cet homme. Incroyable. Oh mon dieu, c'était incroyable. Il a vraiment m'en ramené 40, genre juste 40 quoi, pas plus quoi. C'est vraiment genre on dit genre 1m40 quoi. T'es genre de mec, tu ramènes 40 plaques quoi. Dis que tu ramènes 40 plaques, tu ramènes 40 plaques quoi. Mec, je lui dis que j'ai besoin de pourvoyeur V2, il me ramène 40 plaques quoi. Ok, il reste 2 plaques. Attendez. C'est possible d'avoir des plaques, s'il vous plaît. Parce que la France se demande. Mais. C'est bugué ici. Et vous buguez. Mais. Pourquoi ici le séparateur il bug. Je suis sûr que c'est à cause du truc en dessous là. Mais complètement. Hein. C'est complètement à cause du truc en dessous. Je suis certain que c'est ça. Genre, si je te prends toi, je te demande d'aller genre là en face. Ah, tu peux pas, d'accord. Okay. Donc,
si je te supprime toi, je te reprends là, je te demande d'aller là. Ça passe, on est d'accord, ok, super, ça passe. Je vais avoir un problème. En face. Je vais avoir un problème. Séparateur. Pourquoi vous avez des plaques en fait. Sinon mes usines ne fonctionnent pas. Ah, il y aurait besoin de combien encore? 18, 23. Je comprends pas là. Après, peut-être que c'est moi qui vois un bug. Hein. Mais là, à un moment donné, faut pas déconner. Si je t'enlève, ça roule. Hein. Ouais, d'accord, super, c'est cool, ça roule. Super, ça roule. Si je te demande de venir là. Ouais, d'accord. Ça roule. D'accord, ça roule. D'ailleurs, je dois avoir pas mal de charbon sur moi là. Viens-moi ça. Très bien. Si. Passe de si. Hein. Si à main. Si à Mendel. C'est seulement si. Si maintenant si. Ah, plus de 41 plaques pour moi et puis tout le reste sera. Donc, pourquoi? Vous avez 2 heures, essayez de répondre à cela chez vous. Pourquoi il ne veut pas se placer ce séparateur de ses morts? Il est bien sur la ligne. Je vais le décaler un peu. Hein. Moi j'ai besoin qu'il marche, tant pis il sera pas droit parce que c'est bugué. Ben voilà, super. Magnifique. Voilà. Je rajoute mon pylône à la fin parce que c'est une question de principe. Même si officiellement il ne soutient rien. Il est là, il soutient, mais en fait il soutient pas. Question de soutènement quoi. Ouais, j'ai pas de MK2, hein, donc on peut pas aller plus vite, on peut pas charger plus vite. C'est un peu catastrophique, mais bon, on va faire avec. Déjà, je vais tenter de t'offrir un peu de puissance. Ah oui, alors il y a un autre truc aussi sur lequel j'ai merdé. C'est qu'en fait j'ai remis un poteau genre tous les 1 alors que c'était tous les 2 pour économiser justement un petit peu de ressources. On va se refaire ça. On va se refaire ça. De côté j'ai fait vraiment une guirlande. Ouais. Pas de guirlande. Je mets 41 plaques renforcées et puis on est bon. Après, je crois arrête de m'en promettre 41, il m'en faut beaucoup beaucoup plus. Ah mais je m'en promets 41 à moi là. C'est tout? Ah bah pour le moment oui. Les gens qui sont satisfaits avec pas grand chose, ça me dégoûte. Bon. Ouais. Bon après je vais malheureusement devoir quitter. Ah mais sur ce mur là aussi on est parti sur du 1 tous les 1. Oh ouais non c'est chiant. Donc là il faut du 2, du 2. Ah, et c'est ici on a trahi le principe, ici, à cet endroit-là. La trahison s'est opérée à cet endroit-ci. Parce que. Ah oui, parce qu'on a besoin d'alimenter les deux machines. Mais toi, tu peux supporter les 4 câbles hein, encore. Hop. Ouais, sûr. On a pris un peu de rap. Parfait. Comme ça, on reste fidèle à nos principes. Qui fonctionnent bien, pas de soucis. On démarre. Pas haut. Pas haut. Alors, il faudrait que je fasse les choses bien, que je coupe pas le courant comme un sac. Mais bon, je vais couper le courant comme un sac. Hein. Et d'accord. Non. Pour l'importance que cela a. À vos yeux, je pense qu'on peut couper le courant. Ah, oh, heureusement que j'ai fait dérivation. Pas, je suis un professionnel. Donc on n'arrête pas d'entendre ce que. R démarre. Et c'est la chenille. R redémarre. Oui.
Oui, au pôle des trous. Hein. Excellent. Dans ce câble. Voilà. Formidable. Bon bah. Ça me rend pas plus riche en MK2. Hein. Il m'en manque tellement hein, du MK2. Il m'en manque 80 pour faire mes prochaines charbonneuses. Hein. Et il m'en manque genre 180 pour faire le réseau en MK2 quoi. Je suis bon prince comme dit, il m'en manque que 180. Parce que ça c'est du MK. Hein. C'est nul hein. Ouais c'est nul hein. Non c'est nul. Les gens sont pas contents dans le chat. Hein. Ils sont en train d'écrire là. Ah je vois hein, sous la vidéo YouTube ça écrit. Hein. Ah bon. ils sont très forts hein. Ils sont compétents. Hein. Allez voir ce qu'il fait semblant de faire. Faut savoir ce que tu fais semblant de faire. Ce que je fais semblant de faire. Regardez, il y a des noix, mais il y en a pas. De l'acier. De l'acier, quelle originalité. Oula. Oula. Ah oui, c'est rose. Hein. Ah oui, c'est très rose. Hein. C'est flashy avec la lumière dans le dos. Hein. Mais pourquoi pas. Alors, des plaques renforcées. Ah. Ah. Ah, le retour du Monseigneur. Ah bah, visiblement, j'ai des petites chutes de connexion. Tiens, très intéressant d'ailleurs. Je vous le disais tout à l'heure. Ah ouais, intéressant. J'ai ah, pas mais c'est parce que je dois encore... J'ai internet ouvert tous les coups, 100%, c'est ça. Escalier qui traverse le sol, il me rend malade. Il y en a un qui. Ouais, j'imagine qu'il y en a un qui doit un peu. Ah, ça ne cesse de se couper ici. Tu n'exploites pas assez bien ce charbon. Comment ça? Tu n'exploites pas assez ce charbon, il se coupe. Cette mine de charbon se coupe, elle est pleine. Il faut exploiter plus de charbon. Je sais. Oh là, je vois des diablos seigneurs des mondes qui bougent là. Je dois tout faire en même temps. Produire, amener, gérer. Il faudra que je fasse une base ici. Hein. Moi j'avais fait une base, je referai une base ici. Je pense que ça... Je dallerai le monde, t'inquiète pas. Tu vois ce sable? Profite bien de la couleur, tu le verras plus. Vous avez détruit ma machine là. Pas du béton qui traîne là-dedans là? Donc il y a une machine qui fait du béton là. Oui, il est sur moi. C'est ce que je me disais. Ouais, c'est ça qui fait du béton. C'est ma tête. Ah oui. Tout fiche ma gueule. Ah, du plaquage intelligent. Ah ouais. Ah ouais, tu vas déjà pouvoir les charger. Ah ouais, mais t'es en avance aussi là. T'es sur le jalon et tout. Le jalon de la haute sensor de talus. D'accord. Ah, mais j'ai beaucoup de charbon de béton. Allez, c'est parti, on va bétonner. Attendez. Je suis plein. Monsieur, je suis plein, je bétonne. Et vos plaques renforcées, non? Je suis plein, je bétonne. Monsieur, revenez. Revenez je vous garde et reste je suis navré, mais je peux pas vous aider. Hein? Ah, y'a un yinch. Je veux dire, j'ai une poubelle en bas. Elle peut vite partir, hein, cette plaque. Je suis en train de mourir. Au secours! J'ai que 3 points de vie. Je rame. Je meurs. Mourir de. On dit que ça on s'en servira jamais. C'est pareil. Bon, tenez. Oui bah déposez ça par terre, voilà, cassez-vous. Voilà, salaud. Y'en a combien là? 43. Putain, il me fait la chasse pour 43. Je vais lui dire que j'avais besoin de plus 300 plaques là. Voire 400 je crois, j'ai même dit. C'est normal qu'il est-ce qu'il reste vraiment de la végétation là où je pose mes plaques? Parce que je sais pas en fait. Non. Bien sûr hein. J'ai fait un assez beau boulot. Alors espèce de con, t'es bloqué dans ta rivière? Chez. Non mais cherche pas, chez. Ah non, tu passes pas, reste là-bas. Reste tranquille. Vous avez déjà vu les araignées? T'es sûr qu'il n'y a pas de l'herbe là où je suis en train de poser, hein? Non.
Tout a été blé, hein, parce que moi je vois des arbres, hein, je me tape contre des arbres là. Hein. Ouais, non, non. Donc j'ai un dégât de collision contre arbre, c'est chelou. C'est très étrange, monsieur. Bah, essayez de le récupérer pour voir. Mais non, je ne peux pas, c'est un arbre. Il faudrait une tronçonneuse pour essayer de le récupérer. Mais même le petit plante à côté, vous pouvez essayer, ça a été déforesté. Non, mais une rampe pour voiture, hein, c'est quand même à un moment donné, peut-être circuler en camion. Ou peut-être pour une gare. On sait pas encore. Mais on prévoit un peu d'espace, un peu gentiment. Deux blocs de largeur. Pour l'instant, c'est gentil, c'est petit. On n'a pas beaucoup de béton après tout. On voit pour l'instant un peu petit, pas trop grand. Ah, ça me refait le même bug que tout à l'heure. C'est bien belle, bien étrange. Pas l'air de bien fonctionner là, monsieur. Il n'y a pas d'arbre là. Bon, il y a un arbre, hein. Je vois un arbre qui dépasse du sol. Hein. Quand je posais une plaque, il est toujours là. Voilà, il faut 22 plaques en partie, j'en ai 21, ça m'énerve. On craft tout à la main, super. Comment on a besoin de voyager des deux, ça. Alors, non, moi j'ai besoin de V3 en soi. Et je pense pas que tu peux me sortir genre on serait plutôt sur 500 MK3. Ou bah bon, 500 ouais. Ouais, 500 MK3 ouais. C'est possible ou pas? J'en ai déjà 100. Je suis prêt à attendre 5 minutes là. J'en ai déjà 100 mais il faudrait que je fasse le jalon, du coup ça va me retirer. Non. Non non, bah dans ces cas-là, fais ton jalon, non. J'en ai enfin fini avec le plaquage renforcé, normalement tout devrait suivre pour l'instant. Il est quand même... Pas très agréable d'être l'autre. Ouais, je pense, ouais. Parce que quand tu l'aimes pas, c'est pas très agréable. Plein de petits bugs. De l'éclairage en jeu, hein, parce que le soir ne vois rien. GG pour le jaloux, hein. C'est parti, hein, tu fais de la plaque là, bien sûr. Hein. Là, t'as déjà sorti de la plaque là, non? C'est pas ça? Attends, des plaques là, fais des plaques MK3 tout de suite. Vite! Je veux pas comprendre le javanais. Non, ouais, le jalon de la plaque de MK3 des temps extrêmes. Là, c'est le jalon de la pour USB2. Hein? Moi, je vais les taper MK3 là. On fout de ce que tu veux. Oh, yes. Là, je vais couper le courant. Ça va te passer les. Ça va te calmer tout de suite, hein. C'est moi qui relance. C'est moi qui relance quand je veux la partie qui, justement, l'autre. Je veux dire, on va remettre le courant. Ça peut être possible, ça, monsieur.
Bon, vous voulez les M4, on va essayer de faire les M4. Je veux, c'est nécessaire. Tu veux pas de coupure de courant et que le courant fasse plus yo-yo, c'est nécessaire. Genre, c'est pas pour m'abuser que je fais ça. Là, pour l'instant, ça tient. Parce qu'on a mis pas mal de MK2 déjà. Mais idéalement, MK3, je sais que ça bouge pas, quoi. C'est ça qui est pratique. Ah, il y a un truc que j'ai pas fait ici. Putain, parce que j'avais pas assez de... L'échec est impressionnant. Bon, je vais poser mes ressources dans le jalon et puis je vais malheureusement devoir le quitter. Et... Voilà. Aussi, c'est encore un effet. Attends, c'est à cause des cailloux là que je peux pas poser mon truc là ? J'ai bougé ma pampa, wow, j'aurais pas dû. Voilà, je la remets. Désolé, je voulais pas faire ça. Ouais, bah formidable, donc tu fuis, c'est ça, face à l'adversité, tu t'en vas. Exactement. Super. Est-ce que j'ai le temps de poser un pack lame sur un mur? Bien sûr. Dites-vous que quand vous verrez 500 de trucs, ce sera fini. Oh, voilà, vous voyez là. Ah là, c'est fini. Ah, c'est le cas de la partie. Ouais, ah, il faut sauvegarder maintenant. Ça y est, j'ai posé ma pipe. Pipeline. Oh. Ah, tu peux save. Quand tu veux. Ah, c'est sauvegardé. Ok, et ben, c'est juste sauvegardé. On remercie YouTube pour votre présence, hein, toujours. Hein. Je pense que vous êtes, je crois, 10 à regarder les épisodes, c'est gentil à vous. Très aimable à vous, hein. Vous êtes vraiment trop gentil, les personnes. Ouais. On se demande ce que vous faites là, quoi, mais bon, c'est pas grave, vous êtes beaucoup. On vous fait des bisous. Et on vous dit à la prochaine, quoi. Ciao.